En 2023, on fête les 20 ans du PVT Australie en France et chaque année, des dizaines de milliers de jeunes partent en Australie avec ce programme. Depuis 18 ans, sur pvtis.net, on vous informe gratuitement sur le PVT et le 17 juin 2023, on organise un salon du PVT Australie à l'ambassade d'Australie à Paris. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes étapes d'une demande de PVT Australie, mais dans un premier temps, pensez bien à vérifier si en fonction de votre âge et de votre nationalité, vous avez bien accès à ce programme. Par exemple, les Belges peuvent faire un PVT en Australie de 18 à 30 ans et les Français et les Canadiens de 18 à 35 ans. La demande de visa vacances-travail pour l'Australie est facile à faire et tout se passe sur Internet. Je vais vous donner les 6 étapes à suivre. Première étape, vous rendre sur Home Affairs, le site officiel du gouvernement australien. Il faut aller sur aucun autre site, sinon vous risquez de vous faire arnaquer. Deuxième étape, créer un IMEI account. Troisième étape, remplir un formulaire avec vos informations personnelles, votre état de santé ou encore votre passé judiciaire. Quatrième étape, fournir des documents, votre passeport et une preuve d'économie, puisque dans le cadre du PVT en Australie, vous devez avoir au moins 5 000 $ australiens d'économie, soit environ 3 000 à 3 300 € en fonction du taux de change en vigueur. Cinquième étape, vous devez payer les frais de participation au PVT en Australie, soit 510 $ aujourd'hui, mais ils vont augmenter au 1er juillet 2023. Sixième étape, attendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours de recevoir votre visa. Généralement, on le reçoit par email, mais parfois, il faut aller sur le site des autorités australiennes pour vérifier si le visa a été granted, c'est-à-dire délivré. Si dans le cadre de votre demande, vous avez besoin de passer un examen médical parce que vous avez déclaré des soucis de santé ou des voyages dans des pays étrangers à risque sanitaire, votre demande pourrait être traitée sur plusieurs semaines. Toute la demande de PVT Australie est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, sur notre tutoriel vidéo que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube PVTiste, on vous explique tout.